mortels guettent l'humanité, le réchauffement anthropique du climat et l'apocalypse nucléaire. Si aujourd'hui, nos chefs d'État ou des grandes puissances vont s'amuser avec l'arme nucléaire, je pense qu'on va précipiter l'extinction de l'espèce humaine. Depuis l'appel de Stockholm en 1950 jusqu'à aujourd'hui, les peuples se sont mobilisés pour obtenir l'élimination des armes de destruction massive, qui sont par nature illégales, puisqu'elles visent la destruction massive de personnes innocentes causant des souffrances indicibles aux populations civiles. Les peuples, par leurs actions dans leur pays et à l'ONU, ont obtenu le traité de non-prolifération nucléaire, des zones exemptes d'armes nucléaires qui couvrent trois quarts de la surface du globe, l'interdiction des armes chimiques et bactériologiques, et aujourd'hui, un nouveau traité entre en vigueur. Le 22 janvier 2021, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires entre en vigueur. Il a été voté par 125 États à l'Assemblée générale des Nations Unies, signé par 86 et ratifié par 51. 75 ans après leur première utilisation contre les populations civiles à Nagasaki et Hiroshima, nous, les peuples, avons gagné l'entrée en vigueur du Tian. On fête les peuples qui se sont unis pour obtenir ça. Et pourquoi on le fait ici? Parce que vraiment, c'est ici que se décide la politique de la France. Pour nous, la souveraineté nationale, c'est l'Assemblée nationale. Ce sont nos élus. C'était le collectif En Marche pour la Paix. Quand les dépenses d'armement doublent, c'est ce qui s'est passé entre 2000 et 2020, quand les programmes de militarisation se développent, quand les programmes de modernisation des armes nucléaires se développent, il est temps de dire qu'au-delà de nos opinions philosophiques, religieuses et de nos appartenances syndicales ou politiques, stop les guerres, stop la violence, stop la misère. Le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, voté le 7 juillet par 122 États lors de l'Assemblée Générale, entre en vigueur. Honneur aux Irpakouchas qui n'ont cessé d'appeler à l'élimination de ces armes de destruction massive. Honneur à l'Assemblée Générale de l'ONU qui a su résister aux immenses pressions des 9 pays possédant l'arme nucléaire. Alors, Idankyo, je rappelle... Il s'agit d'une organisation qui regroupe tous les survivants d'Hiroshima et de Nagasaki. Donc, en deux mots, que nous disent nos amis d'Idankyo? Ils nous rappellent qu'en avril 2016, ils ont lancé une grande campagne internationale de signatures en appui à un appel des Irpakouchas. Cette pétition a obtenu 13 702 345 signatures. Avec grande joie, nous nous joignons cordialement à vous pour célébrer cette réalisation historique. Nous sommes plus que convaincus que les humains et la planète Terre ont le droit de vivre dans un monde de paix, loin des menaces des armes nucléaires. Nous avons déjà subi en Algérie les conséquences catastrophiques et durables, qu'elles soient sur la population ou sur l'environnement. Nous sommes avec vous de tout cœur et de tout combat. J'ai eu l'honneur de participer à un grand projet international qui s'appelait Jeunes Visages de Paix. Nous, les jeunes au 21e siècle, nous aspirons juste à une chose, c'est vivre dans un monde qui est épris de paix. Sans paix, on ne peut pas réaliser nos rêves. Je pense notamment dans d'autres contrées à travers le monde où en ces moments, les gens sont tués carrément parce qu'ils vont manifester, ils vont réclamer leurs droits. Le BIP, le Bureau international de la paix, se félicite de tout ce qui se passe en France. Nous faisons partie d'un grand mouvement international. C'est très important de le savoir, c'est très important de se réveiller. Donc, nous ne pouvons que vous féliciter et nous féliciter des mobilisations pour la signature et la ratification du Tian. Et en tout cas, le BIP vous relève, vous soutient et vous félicite.
cette association rassemble un certain nombre d'anciens ministres, d'anciens députés, des militaires, des diplomates, des scientifiques, des enseignants, aussi la société civile et de nombreux jeunes. Et toutes ces personnes sont rassemblées par la compréhension commune de la dissuasion nucléaire et non seulement inefficace, inutile, mais surtout terriblement dangereuse. J'ai créé une association qui s'appelle Génération Verte 21, tout simplement parce que j'ai réfléchi en termes générationnels, verte par rapport à l'écologie, par rapport à l'environnement, et 21 par rapport au 21e siècle, parce que pour moi, c'est un siècle de l'écologie. C'est 21e siècle, c'est le siècle du vivant. Moi, je pense la planète en termes d'interdépendance. Nous dépendons de la forêt, dépendons des animaux, c'est l'interdépendance entre l'homme et la nature. Donc on doit bien préserver, prendre soin de la nature. Deux dangers mortels guettent l'humanité, le réchauffement anthropique du climat et l'apocalypse nucléaire. Celui-ci est... ULV est présente dans le collectif Marche pour la paix, présente dans le collectif Non à la guerre, non à l'OTAN. De l'origine, nous étions contre l'arme nucléaire. Nous pensons que le nucléaire est une menace majeure. Nous disions toujours, actifs aujourd'hui pour ne pas être radioactifs demain. Nous savons qu'une guerre nucléaire n'est jamais limitée. Le nuage radioactif, c'est l'hiver nucléaire. C'est la baisse des températures, c'est la fin de la vie sur la Terre. Nous sommes en capacité d'agir, vous l'avez dit, tous ensemble, par la loi, par la mobilisation. L'entrée en vigueur du traité d'interdiction des armes nucléaires représente une formidable victoire historique et populaire. C'est un formidable combat mené par des associations, par des ONG, des partis politiques, des syndicats depuis des années et grâce à un nombre très important de militants qui n'ont jamais rien lâché. Et il faut continuer à ne rien lâcher. Il faut continuer à porter ces idées dans les débats, dans les élections à venir. Continuer à interpeller les candidats, à interpeller les élus, dire que des départements ou que des régions peuvent adhérer au réseau pour la paix et faire que ces institutions s'engagent pour la paix et pour le désarmement. Plus il y aura d'institutions engagées dans ce combat, plus l'impact sera fort et plus les résultats seront concrets. Cette victoire, c'est évidemment la victoire d'ICAN, ce mouvement fédérant tant de monde autour du thème de l'interdiction des armes nucléaires et le mouvement de la paix et d'autres mouvements et qui a obtenu le prix Nobel de la paix en 2017 dans la foulée de l'adoption du traité par 122 États. C'est un point d'arrivée, une victoire et c'est un point de départ. Le départ d'un autre processus dans lequel il va falloir se battre et contre qui ? Contre essentiellement les 9 puissances qui ont des armes nucléaires et en particulier les 5 puissances membres du Conseil de sécurité. Les 9 États possédant l'arme nucléaire doivent cesser leurs obstructions et s'inscrire dans le sens de l'histoire.
Cette victoire, c'est aussi la victoire des États non dotés. La victoire de ceux qui en ont marre, que les États armés ne fassent rien et méprisent tout le monde. C'est la victoire de 122 États sur les 7 à 9 dotés de l'arme nucléaire. C'est le message envoyé à ceux qui ont la bombe atomique pour leur dire stop. Mettez-vous enfin autour de la table pour discuter de la manière dont vous allez en finir avec ces armes. Nous sommes maintenant à mi-chemin sur la voie de l'élimination des armes nucléaires. Le reste sera aussi difficile qu'avant, mais travailler main dans la main avec tous les pacifistes, peuples du monde entier, continuons à marcher ensemble pour parvenir à une planète paisible. Nous avons été en délégation devant les ambassades des 5 principales puissances nucléaires du monde, les États-Unis, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne et l'Assemblée nationale française. Grâce à nos actions, nous avons gagné que l'entrée en vigueur du traité sur l'interdiction des armes nucléaires soit évoquée au sein de la Chambre des députés. En effet, faisant suite au courrier adressé à l'ensemble des députés et sénateurs membres de l'Assemblée nationale et grâce aux nombreuses actions conduites en France, le gouvernement n'a pu empêcher l'évocation de l'entrée en vigueur du Tian à l'Assemblée nationale. Voici l'échange entre le député Jean-Paul Lecoq et monsieur le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, après des années de mobilisation, les ONG, les associations, les syndicats, les partis politiques ont permis à ce que ce 22 janvier entre en vigueur le traité d'interdiction des armes nucléaires. Après le vote de 122 États en juillet 2017 et la ratification du 50e État il y a 90 jours, nous y sommes. Les États détenant les armes nucléaires entrent dans l'illégalité. Ce traité crée une dynamique à la fois pour les États non dotés qui n'en peuvent plus de cette inégalité. Un collègue disait récemment « le diable se cache dans les délais » et aussi pour les peuples qui partout sur la planète se battent pour un monde plus pacifique et libéré de cette épée de Damoclès nucléaire. Et ce n'est qu'un début. Démonstration a été faite de la dangerosité de cette arme lorsque l'on a appris que la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis a appelé les militaires américains à la désobéissance en cas d'ordre d'attaque nucléaire donné par le président Trump. Et que dire de la cyberattaque qui a eu lieu récemment aux États-Unis et qui aurait volé des données ultra-sensibles de ces armes. Toutes les conditions se réunissent pour prendre conscience des risques et pour évoluer vers un désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace, comme l'exige l'article 6 du traité de non-prolifération et dont le Tian permet la mise en œuvre concrète. Les initiatives bilatérales comme le traité New Start entre la Russie et les États-Unis qui a prorogé la semaine dernière sont importantes. Nous le considérons, nous députés communistes, à ce niveau. Mais elles sont insuffisantes. Monsieur le ministre, la France va-t-elle finir par reconnaître cette norme de droit international et rejoindre la dynamique partagée par certains membres de l'Union européenne ? Comment respecter le principe de bonne foi du traité de non-prolifération sans vous appuyer sur le Tian ? Et enfin, suivre cette dynamique n'est-il pas le meilleur moyen pour la France de devenir un leader pour la paix en poussant les autres États dotés à participer à ce traité ? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. La réponse de monsieur le ministre n'est pas passée inaperçue. Voici la réaction de Marc Finot, apparue sur la page Facebook d'IDN sous l'intitulé « La France et le Tian, mauvaise foi et déni ». Marc Finot est un ancien diplomate de carrière et ancien collaborateur scientifique de l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement. Il travaille actuellement comme formateur au sein du Centre de politique de sécurité de Genève dans tous les domaines de la sécurité internationale. Monsieur le député Jean-Paul Lecoq, la France n'a pas participé aux négociations du traité Tian. La France n'est pas partie à ce traité et la France n'adhérera pas à ce traité. Et donc ce traité n'emporte pour nous aucune obligation juridique. Cette position est une position constante et elle est partagée par nos principaux partenaires internationaux. Nous
le faisons pas parce que nous estimons que le Tian n'apporte aucune plus-value de sécurité dans un contexte stratégique marqué par la dislocation de l'architecture internationale de sécurité et par les risques liés à la prolifération des armes nucléaires. Et donc, comme il n'y a pas en plus d'instruments de vérification et d'instruments rigoureux de clarification, il n'y aura aucune contribution concrète aux efforts que nous réalisons par ailleurs pour un désarmement nucléaire réaliste qui peut se faire que étape après étape. C'est ce que nous faisons dans le cadre du traité de non-prolifération nucléaire dont nous sommes partie prenante et que nous voulons voir se renforcer. C'est ce cadre d'action-là qu'il importe de préserver. A été rentré en vigueur en 1970, il a permis des avancées et dans ce cadre-là, notre bilan national en termes de mesures concrètes et substantielles de désarmement nucléaire depuis 25 ans est particulièrement exemplaire parmi tous les États dotés et vous le savez. Et ça ne date pas de cette présidence, ça a été entamé sous plusieurs présidences antérieures, je pense à la fin de la composante terrestre, je pense encore au démantèlement de nos sites de production de matières fissiles, je pense à la fin des essais nucléaires. C'est dans cette logique que le président de la République a prononcé un discours à l'école de guerre en février dernier pour proposer un agenda concret pour progresser dans la voie du désarmement nucléaire. Parce que, monsieur le député, le désarmement nucléaire ne se décrète pas, il se construit pas à pas. Et ça sera l'occasion de le faire encore lors de la conférence d'examen du traité de non-prolifération qui va avoir lieu au cours de cette année 2021. Cette petite flamme au cœur du monde entier qui éclaire toujours les peuples en colère en quête de justice et de la liberté. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant.
devant tous les peuples frères qui s'en porteront garants. Déclarons la paix sur terre unilatéralement. Parce qu'ils ont un jour atteint l'universel, dans ce qu'ils ont écrit, cherché, sculpté ou peint, la force de la France, c'est Cézanne et Ravel, c'est Voltaire et Pasteur, c'est Verlaine et Rodin. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'en porteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement. La force de la France, elle est dans ses poètes qui taillent l'avenir au mois de mai des mots. Couvrez leurs yeux de cendre, tranchez leurs gorges ouvertes, vous n'étoufferez pas le chant du renouveau. Nous ne voulons plus de guerre.